Je m'appelle Raphaël de la Varenne, je suis responsable des produits dérivés pour la marque Renault. Je suis Ingrid Bergaglia, dirigeante de l'entreprise Bonzini, fabricant français de babyfoot depuis 1927. Les clients qui nous connaissent, qui connaissent nos voitures, doivent aussi reconnaître que le merchandising, les produits dérivés, sont cool, fun et représentent ce qu'on veut faire de l'image de la marque. La voiture est fabriquée en France. Là, on a les collabs françaises, Fabrication France. On a vraiment essayé de trouver des marques françaises avec des productions françaises pour accompagner le lancement de la voiture et être très cohérent avec cette stratégie de communication sur le Made in France. Du coup, on a essayé de trouver des objets qui soient aussi très iconiques. On a contacté Bonzini il y a quelques mois. Le babyfoot, c'est notre jeunesse, c'est la même époque que la R5, c'est le café à la sortie du lycée avec la R5 qui chauffe dans la rue. Voilà, c'est tout un univers qu'on voulait recréer avec évidemment la modernité. Et on a retranscrit dans le babyfoot, bien que la forme soit ancienne, un design extrêmement moderne. Et avec cette ligne qui existe depuis plus de 60 ans, on arrive à faire un objet très, très contemporain. Renault, ça va au-delà de la collaboration avec une marque de voiture. Quand quelqu'un vient s'équiper d'un Bonzini, il vient acheter son babyfoot, son Bonzini, et c'est un peu comme la Madeleine de Proust, ça lui rappelle sa jeunesse. Comme j'imagine aujourd'hui, quelqu'un qui s'achète une R5, ce sont deux marques qui ont des affects forts. On a essayé de reprendre par rapport à la forme de notre produit ce qui pouvait être impactant. La bande rouge qui est un rappel qui est souligné sur la voiture, on la revoit dans la ceinture intérieure autour du terrain qui souligne vraiment la couleur qui va être le vert, le jaune ou le bleu de chaque modèle. Le 5 de R5 va être repris sur les principaux côtés avec chaque joueur qui va avoir son petit 5 adhésivé sur le torse. Et puis on va jusqu'à effectivement la balle qui est personnalisée avec le 5 qui est tampographié à Bonzini R5. À la loyale. Si je veux continuer les collabs, il faut que je laisse Ingrid gagner.